il consistait de participer, jongler avec le ballon et passer le messenger de MTN. Et là, les participants allaient tous voter, le meilleur votant allait recevoir des prix. Et comme vous l'avez constaté aujourd'hui, il y a eu 10 gagnants qui. Les cadeaux sont allés des smartphones jusqu'à une valeur de 5 millions. Donc certains ont reçu des smartphones, d'autres ont reçu du cash de 2 millions, 3 millions et 5 millions de valeur. Et depuis quand le jeu a été lancé? Le jeu a été lancé il y a quelques mois. Maintenant, le jeu a été lancé. Et aujourd'hui, nous avons fait une première présentation des gagnants. Ça va être continué. Et ce n'est pas seulement des jongleurs, mais aussi il y a ce qu'on appelle le cash. Ça, c'est comme j'aime. Comme j'aime aussi, c'est une application qui nous permet de donner des cadeaux à nos clients. Il s'agit juste de participer. Quand tu participes, comme j'aime aussi, ça te permet d'avoir aussi des cadeaux qui peuvent permettre à nos clients de recevoir en un mot ce qu'on appelle le retour de MTN. Et comment vous bien, il y a des informations qui sont disponibles sur la page Facebook de MTN Guinée, mais aussi sur la page sur tous les réseaux sociaux de MTN, y compris Ayoba, qui est aussi une des applications de MTN qui sera de lancer, de faire savoir aux gens qu'il y a autre application. C'est une application qui peut être consommée comme Facebook aujourd'hui, comme Instagram. Ayoba est aussi une application que nous poussons et nous encourageons aujourd'hui nos clients de l'utiliser parce que ça leur permet d'avoir assez de contenu aussi gratuitement. Les messages que vous voulez lancer? Mon dernier message à lancer à l'endroit des consommateurs au peuple de Guinée, c'est que MTN, c'est une compagnie qui est consciente de ces effets. Nous avons révolutionnalisé la télécommunication en Guinée et nous sommes aujourd'hui sur une lancée de reconquérir encore notre passé. Et MTN est là au service des Guinéens, MTN est là à l'écoute de ses clients. MTN est une société avec une responsabilité financière et nous appelons les clients que les services clientèles ouverts. Nous sommes à leur écoute parce que nous ne sommes pas partout, mais nous sommes à leur écoute. Si ils veulent faire passer les informations, ils peuvent nous contacter sur le 660-2222 qui est une ligne ouverte à tous les clients. Et nous invitons nos clients à être beaucoup plus à l'écoute, nous sommes à l'écoute et aussi doivent être à l'écoute.